Moi Chakchouk um, is uh, uh, currently Assistant Director General for Communication and Information at UNESCO, where he is responsible for the organization's programs on fostering freedom of expression and building inclusive knowledge societies. From 2015 to 2018, Dr. Chakchouk was Chairman and CEO of the Tunisian Post, a leading institution for social and financial inclusion in Tunisia. In February 2011, after the Tunisian Revolution, he was appointed chairman and CEO of ATI, the former Tunisian Internet agency, the leading Internet operator in Tunisia since 1996. In 2015, he served as a member of the Global Commission on Internet Governance. He has an MS in Telecommunications and a PhD in Telecommunications and Applied Mathematics uh, from Paris Descartes University in France. So this first panel uh, is going to address Bonjour, je vais parler en français. Comme ça, on fera l'équilibre. Comme vous savez très bien, l'UNESCO utilise les deux langues, français et anglais. Bon, ils m'ont préparé des slides, mais j'aimerais bien tout, 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 tout d'abord insister sur le fait que l'UNESCO a initié l'initiative orientée sur l'intelligence artificielle à partir de juin 2018, donc moins après en fait que l'OSCE a commencé à travailler sur l'intelligence artificielle. Et c'était sur un besoin basé plutôt sur euh, notre mandat, en fait. Au début, on a vu que l'intelligence artificielle, elle impacte notre mandat. Donc, euh, quand on parle de culture, d'éducation, de sciences humaines et sociales, sciences naturelles ou euh, de communication et information, il y a, eu, il y a, il y a des impacts importants de l'intelligence artificielle et, nous, avons, et nous savons très bien que, aussi, ça, pour, pour atteindre l'objectif de développement durable, l'intelligence artificielle pourrait être utilisée comme un outil très important. Et du coup, ça a commencé à creuser au niveau de nos secteurs, dans tous nos secteurs d'ailleurs, pour pouvoir vraiment voir comment on pourra initier le travail au sein de l'UNESCO. Et en regardant un peu, sachant qu'on a une bonne expérience dans le domaine des éthiques, des sciences et des technologies, on a une, une commission qui se charge de ça et on a travaillé sur le bioéthique, sur les beaucoup, de, beaucoup de domaines en à ce sujet. Il y a eu, on a montré qu'il y a eu beaucoup d'initiatives, notamment l'initiative de l'OCDE, de l'European Commission. Il y a eu beaucoup aussi de stratégies nationales, au niveau régional. Donc, on a dénombré en fait 80 à peu près initiatives et qui touchent des domaines et des principes en fait assez liés. Donc, il y a beaucoup d'overlap entre les différents travaux au sein des différentes organisations au sein euh, au sein de niveaux aussi d'organisation nationale, régionale et internationale. Et ce qui est important, c'est que de montrer c'est qu'il n'y a pas un organisme universel aujourd'hui comme l'UNESCO ou comme de, au niveau des Nations Unies qui traite des aspects éthiques au niveau global. quand, quand on parle de niveau global, c'est que le débat devrait être initié à l'échelle globale, à l'échelle universelle. D'ailleurs, j'ai vu que votre hashtag est universel AI, ce qui témoigne l'importance d'avoir un débat universel, un débat qui, qui permet d'être inclusif à toutes les, les États membres, mais aussi à euh, toutes orga les organisations, que ce soit du secteur privé, que ce soit du secteur académique, que ce soit aussi du société civile. Et c'est là le, 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 qui a vraiment encouragé l'UNESCO à aller à l'avant, et du coup, on a commencé à, à, à creuser pour vraiment mettre en place un instrument normatif euh, donc, euh, sur les aspects éthiques liés à l'intelligence artificielle. Ce matin, on a vu Cédric qui a parlé et a pointé le doigt, en fait, l'importance du social, l'importance du politique, l'importance de tout le, pour le développement de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une technologie qu'on adopte, ce pas une technologie qu'on achète, c'est pas une technologie qu'on développe aussi, uniquement, mais il faut qu'on regarde les aspects autour de, de, de ces développements, et c'est au-delà de l'économie. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on se considère très complémentaires avec l'OCDE, euh, sachant qu'on est tous les deux à Paris, donc euh, ce qui est déjà nous rapproche énormément, et qu'on est tous les deux aujourd'hui invités à ce panel, ce qui est ici un, un témoignage important de notre collaboration. Euh, on, on, on voit que cette collaboration et cette complémentarité, vu que les aspects économiques sont plutôt traités majoritairement par l'OCDE, nous on ne traite pas l'économique, mais on, on se focalise sur l'humain, plutôt que les autres aspects liés au marché, au développement des économies. Euh, donc, le mandat de l'UNESCO est clair. On, a, on est vraiment légitime sur ce sujet-là. On est très légitime aussi par rapport à l'impact qu'on cherche à atteindre au niveau global. Euh, actuellement, il y a la conférence générale de l'UNESCO. Et qui, il y a aussi une recommandation qui pourrait être donc décidée. Et on va aller à l'avant pour mettre en place cet, cet instrument normatif. Mais ce qui est important, c'est qu'on on, on, on détient aussi des programmes intergouvernementaux, comme le programme Information for All, Information pour tous, qui inclut énormément de pays en développement en Afrique, en Amérique latine, en Asie-Pacifique, avec des pays, bien sûr, dans d'autres régions, des membres de l'OCDE, et qui sont très actifs sur le domaine des, des éthiques de l'informatique, de l'information, mais aussi de l'éthique de la actuellement. Donc, on, on a des, des, des plateformes existantes, bien sûr intergouvernementales, qui permettent d'aller de, 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 à l'avant par rapport à ces approches. Aussi, on a, nous avons été bien mentionnés, d'ailleurs, tout récemment, par le secrétaire général qui est venu à Paris et a ouvert la, la conférence générale de l'UNESCO, et a mentionné le le rôle principal que jouerait l'UNESCO au sein des Nations Unies vis-à-vis -vis de l'établissement de ces normes, de ces standards éthiques vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle. Ce qui est important, ce que nous on ne se considère pas lors de l'élaboration de ce « comment on va réinventer la roue », comme vous avez bien dit Catherine, moi je suis Karine, je suis d'accord avec vous, c'est qu'on ne va pas avoir d'autres principes, ne pas avoir les principes de l'OCDE, les principes de l'UNESCO, les principes d'autres organisations. Je pense qu'on partage, et tout le monde partage, les mêmes principes qui ont été déjà arrêtés ou déterminés dans la recommandation de l'OCDE. Mais le plus important pour nous, c'est comment, à partir de ce travail qui a été réalisé par l'OCDE, essayer d'aller plus à l'avant et de toucher plus l'humain. Et de toucher plus l'humain à travers notre mandat, donc l'éducation, comment l'AI, l'IA va, va pouvoir en fait impacter nos systèmes éducatifs, l'impact aussi sur les éthiques en fait vis-à-vis -vis de l'éducation, vis-à-vis des sciences, vis-à-vis du culture et vis-à-vis -vis de l'information. Quand on parle de des informations, de fake news, euh, on sait très bien, c'est très important de voir l'impact sur la liberté d'expression, mais aussi les moyens pour lesquels euh, qu'on pourrait utiliser pour vraiment contrer la désinformation sur ce sujet. Ce qui est important ici à mentionner également, c'est vis-à-vis de la sensibilisation à l'échelle globale, à l'échelle universelle. Aujourd'hui, ce qui est bien, d'ailleurs, ça a été bien mentionné, que le, 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 les travaux qu'ont les travaux par l'OCDE, c'était ces multi-acteurs. Et nous, on, on, a, on est de même, av même, de même avis, on, on a toujours travaillé avec une approche plutôt inclusive, et qui, et qui, a, et qui a permis en fait d'inclure différentes sociétés civiles, et différents acteurs en fait, dans, 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 les, dans nos débats, mais aussi d'inclure des acteurs de société civile des, et, des, et des, 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 des académiciens du monde entier. Et c'est ce qui permet, en fait, de, de voir cette universalité, cette globalité, et c'est ce qui est nécessaire. D'ailleurs, dans nos travaux du, du Comest, qui ont permis de, de voir un feasibility study pour euh, permettre, en fait, de, de, de décider, aux États membres de décider sur cet euh, instrument normatif, on a dégagé les cinq, cinq champs d'action, en fait, où ces normes éthiques devraient être pl plutôt euh, plus creux, avoir plus en profondeur, parce que les principes. Ça, 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 sont valables pour tous les secteurs à peu près mais après pour le développement général mais après quand on va plus en détail au niveau de l'éducation ou on va au niveau du de euh, l'égalité des genres ou enfin on, 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 on va vers le la, la connaissance et, et, les, et les et la fracture numérique par rapport aussi aux différentes euh, différentes régions c'est là où on aura des 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 plus de, de, comment de perfectionnement en fait ou d'amélioration au niveau de cet instrument normatif et que, sur lequel bien sûr l'OCDE fera partie du groupe de travail. Euh, donc le, la conférence générale elle va débattre de, ce, de, de, cette, de cette décision, résolution pour avoir le instrument normatif. Mais ce qui est important c'est de mentionner que c'est un, un process qui est très très important qui va prendre un peu de temps donc jusqu'à novembre 2021. Donc ces deux ans, c'est ça le process au niveau de, de l'UNESCO. Et, et c'est très, très important de mentionner que dans le cadre de ce process, non seulement qu'il y aura un working group, comme ça a été le cas d'ailleurs pour l'OCDE le, le, où on a fait partie, mais euh, aussi il y aura un débat multi -acteurs. Il y aura des débats dans différentes régions, dans différents pays, pour pouvoir vraiment aller à l'avant euh, et permettre de voir euh, une inclusion plutôt euh, globale, en fait, de, pour, pour cet euh, instrument normatif. On a aussi, on organise avec d'ailleurs. Euh, Université de Montréal, on a commencé d'ailleurs à partir du de, de mois de novembre lors du Paris Peace Forum à un, un, lancer des débats, euh, si, euh, un débat civique en fait, on dit AI Civic Debate, et, euh, pour permettre en fait donc, de, déjà d de, de, de lancer ce débat avec une approche multi multiacteur, multidisciplinaire, et en, en vraiment montant, montrant l'importance. D'inclure la société civile dans ce genre de débat avant d'aller avec des experts ou avant d'aller avec les États membres pour n'importe quelle examination. Et de, et... Euh, donc, les discussions, comme j'ai dit tout à l'heure, les forums, civi civic forums et multi -de consultations. Donc, c'est très important de montrer que l'UNESCO aujourd'hui, bien sûr, euh, on va on va le travail va être initié, mais ce qui est important, c'est que le travail doit être initié sur la base du travail qui a été entamé déjà par l'OCDE. Et bien évidemment, il faut mentionner que le Conseil de l'Europe également, qui a initié un autre processus, qui est aussi très intéressant, parce que ça va permettre, permettre d'avoir une, une convention, une convention sur les droits de l'homme, plutôt que sur les approches éthiques. Donc c'est plus, plus, un peu plus élaboré que peut-être l'approche de l'OCDE ou l'approche de l'UNESCO, qui sont non binding, tous les deux d'ailleurs, si ça sera approuvé par les États membres cette semaine. Et donc, du coup, je pense que. La coopération, au moins entre ces grandes initiatives multilatérales, permettrait en fait d'avoir vraiment des normes, des standards qui pourront être respectés. Au sujet de l'implémentation, et c'était très bien exposé en fait par ma collègue en fait de l'OCDE, euh, il faut avoir deux étapes en fait. La première étape, c'est vraiment euh, parce qu'on n'est pas le même, euh, non, euh, non seulement le même pays qui sont membres de nos organisations, mais aussi on n'est pas au même niveau. De, de, de compréhension de ces principes, ni aussi de, de l'intelligence artificielle. Quand on parle à un pays où on voit développement, ou à des décideurs où on voit le développement, on lui parle de l'intelligence artificielle, il nous parle encore de l'accessibilité Internet, il nous parle encore de la qualité de Internet, des de, 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 de protections de données. Il y a plein, plein d'autres enjeux qui sont pas encore, malheureusement, il y a une fracture, et cette fracture-là, elle risque si on ne la, la traite pas rapidement, au moins avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, de devenir encore de, de plus profonde. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les différents acteurs dans différents pays, et ce que nous comptons faire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on organise une conférence en Amérique latine, on a initié une conférence en Amérique latine au mois de décembre sur l'intelligence artificielle, une, une conférence régionale, et c'est qui est en, en Brésil, à São Paulo. Mais ce qui est important, c'est que d'inclure en fait les différents acteurs dans ce genre de débat pour vraiment essayer de, de, de faire comprendre l'importance de l'éthique malgré les, les fractures existantes en, fait, en termes de de à Internet, ou au développement des données ou la, la politique des données et en termes de gouvernance. Donc l'idée, c'est aussi donc, de sensibiliser, mais aussi d'aller à une implémentation plutôt pas en, Top down, comme vous êtes en train peut-être de, de le faire, avec des, la, une implication plutôt des, des de gouvernements et des politiques, mais aussi par la société. La société doit jouer un rôle très important dans les implémentations de la éthique parce qu'ils doivent comprendre les risques. Et ils doivent aussi trouver les moyens pour vraiment minimiser ces risques de l'éthique. Ce n'est pas uniquement aux développeurs de l'intelligence artificielle de vraiment se conformer à nos principes aux normes, mais aussi que la société comprenne les enjeux et qu'elle fasse qu qu en fait de telle sorte à ce qu'elle soit un acteur principal dans le développement futur de l'AI. Donc les risques, on les connaît. Nous, on a déjà travaillé sur, au niveau de l'Internet par rapport à la gouvernance Internet et on sait que les principes de développement Internet sont de quatre ils ont été approuvés par les états membres donc aujourd'hui même on a même un, un cadre d'implémentation pour mesurer le, le respect de ces principes pour le développement internet donc on dit que les droits de l'homme les accès l'accessibilité de l'internet l'ouverture et la participation en multi-acteurs. Donc, c'est les quatre principes. on a développé un cadre d'indicateurs pour permettre aux États de mesurer leur respect de en l'Internet fait, euh, au, euh, au niveau de leur pays par rapport à ces principes. Ça sera pareil aussi, peut-être, à travers euh, la coopération que nous avons notamment avec, euh, avec l'OCDE, D'ailleurs, j'ai bien dit que les principes seront quasiment, quasiment les mêmes, mais avec plus de profondeur, avec plus de, de précision et de clarté en fait, par rapport à, à différents sujets liés à ces principes, et surtout au niveau de l'implémentation. Donc, pour aller à l'avant, d'ailleurs, c'est dans notre mandat hein, au niveau de l'UNESCO, qu'on traite de « digital skills euh, » et, et, ou de « media and information literacy »,« éducation aux médias et l'information ». Orienté bien sûr sur des développements AI, ça c'est quelque chose de très important que nous sommes en train d'entamer d'ailleurs dans plusieurs pays, on voit le développement, et qu'on voit que la nécessité d'inclure l'IA dans le cadre de nos activités, quand, quand on traite euh, l'éducation en médias, l'information pour parler de la désinformation, pour parler du hate speech, ou pour parler de la liberté d'expression, ou pour euh, renforcer la capacité des jeunes à traiter, à, 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 quand, quand, quand ils utilisent les plateformes, de réseaux sociaux, il est important d'inclure les notions d'algorithme, les notions de, de tic, et, et c'est et ça, ce qui nous permet d'aller à l'avant plus rapidement parce qu'on a des activités qui sont en cours et qui touchent les sociétés aujourd'hui dans plusieurs pays. Euh, bien sûr, et ça je pense qu'on se complète avec le CDE, avec les pays, donc euh, comment on peut renforcer les capacités des institutions au niveau de la gouvernance artificielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi un gap euh, très important au niveau de la compréhension, comme j'ai parlé. Aujourd'hui, si, si on demande à... Institutions dans des pays en voie de développement, vraiment d'agir dans un terme de gouvernance. D'ailleurs, on a les mêmes problèmes avec la gouvernance Internet. Aujourd'hui, il y a ce gap qui est très, très remarquable. Et du coup, si on parle de gouvernance artificielle, il faut qu'on renforce les capacités des institutions dans les pays en voie de développement. Et c'est des choses peut-être qu'on pourra travailler ensemble avec l'OCDE, avec d'autres organisations comme l'Union africaine ou d'autres. Euh, L'égalité l'égalité et la non-discrimination. Il y a des enjeux énormes. Et nous, d'ailleurs, on a publié une, une publication récente en fait sur les, les qualités des genres, notamment. C'est la première publication de l'UNESCO sur l'intelligence artificielle, d'ailleurs, et qui traite en fait le genre. Et ça, ça témoigne l'importance que nous allons accorder à cette question de discrimination et de qualité des genres. Et bien évidemment, je parle de, on, quand on parle de connaissances et on parle de la diversité, l'UNESCO est toujours bien positionnés pour parler de cette diversité culturelle à travers le monde. Et dans nos programmes liés aux langues, euh, on considère d'une importance capitale les systèmes aujourd'hui qui utilisent artificielle pour traiter en fait les traducteurs euh, auto autonomes par exemple. Et la question de langue, elle est toujours mentionnée comme une question très importante parce que ça permet l'accès à l'information, l'accès à, à la connaissance. D'ailleurs, on organise une conférence au mois de décembre aussi, c'est le 3, 4, 5, 6 à Paris, ici à l'UNESCO, sur les langues et, et les technologies des langues en fait. Et il y aura une session dédiée au système autonome pour le, la traduction automatique au niveau des langues. Euh, – Voilà, pour finir, je vous remercie de cette opportunité, mais je vous dis que vous êtes tous invités, en fait, à, à contribuer aux travaux de l'UNESCO, c'est un travail qui est inclusif et que nous, nous pensions qu à travers cet engagement de la société civile dont dans plusieurs pays, les différents acteurs de l'Internet et les différents acteurs de l'intelligence artificielle, nous pourrons atteindre nos objectifs communs. Merci beaucoup. Merci. –